C'est excellent. Bref, salut à tous et à tous, c'est Squad 42. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière. On va tester la démo donc de l'ultime saison de The Walking Dead. Alors c'est The Walking Dead, les personnages, c'est pas le The Walking Dead où... en fait c'est The Walking Dead façon bande dessinée. Alors on avait testé il y a quelques temps sur l'ancienne chaîne, d'ailleurs qui n'existe plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que bah, je vais vous dire pourquoi. J'ai changé et que j'ai voulu m'appeler Squad aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, on va tester cette ultime saison. Alors c'est la démo. Alors je sais pas si le jeu est sorti, sincèrement. Là il y a Quantum Break qui est en train de télécharger sur ma console. Et ce soir, en ce jeudi, donc la vidéo sortira pas jeudi. Cette vidéo ne sortira pas jeudi, sortira un peu plus tard. Mais ce soir il y a la démo de FIFA 19, voilà. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Donc la démo de FIFA 19 qui se retrouvera sur ma chaîne YouTube dans quelques temps. Bref, on va du coup tester cette petite démo. Donc The Walking Dead, l'ultime saison. Alors je sais vraiment pas par contre si le jeu est sorti ou pas. Elle a grandi, hein. Elle conduit maintenant. Alors, utilisez LS pour ajuster le rétroviseur. Ouais. Mais j'utilise là depuis tout à l'heure. Ah. Ok. Qu'est-ce que tu fiches, crétin? Je fais comme si on avait des balles. Eh bien, arrête. Ça me tape sur les nerfs. M'appelle pas crétin. J'aime bien crétin. En tête de pioche, tu as bien grandi. Oui, c'est vrai que t'es un grand maintenant. Ouais. Laisse-moi conduire. Ça va pas la tête, gamin? S'il lui arrive. AJ, j'ai faim. Putain. Tiens, entraîne-toi à lire. Mais j'ai pas envie. Ça t'évitera de penser à ton ventre. Préchauffer le placer la crème et les gousses de vanille dans une casserole, puis porter à ébullition. Tout compte fait, laisse tomber. Ça va te donner envie. On va lui donner une jouée. Salut Alvin Junior, c'est moi, Disco Brocoli. Il paraît que tu veux manger, mec. C'est vrai, ça? Tu veux manger? Arrête, Clem, je peux pas manger un jouet. Oh, ça me blesse ce que tu dis. J'ai mal au ventre. Bien sûr. On va lui donner l'encre. Tiens, c'est tout ce qu'on a. Et toi alors? Mange. Ça va aller. On trouvera vite autre chose. Je te crois. Ah beau gosse.
On y va? Je crois bien. Je vois personne. Allons-y. Putain, le gosse quand même, ça doit être quand même un truc de fou. Que le mec, il est préparé au combat face à des zombies quoi, pardon. Ça, c'est un truc vraiment... Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? Saisir le pied, regardez les jouets. Alors, prendre le pied de biche, je sais pas... Ramasser la gourde. Donc là, on a dû le faire le choix. On a aussi besoin d'eau. Voilà. Et puis on va prendre le pied de biche. Bien. Trouvons à manger. Ok, donc là on est parti pour trouver à manger. Let's go. Pour courir, c'est ça. Ok. Alors. Qu'est-ce que... Ok, d'accord, il y a déjà des zombies. Il y a déjà un zombie pour nous. AJ, n'approche pas. Cool. Il est mort. Toujours avec moi? Je suis là, pas de morsure. Maintenant, on entre là-dedans. Il y a quelque chose là. Ah là là, ils ont pas les besoins vitaux hein, pour survivre. Et comme par hasard, il est bloqué. On va forcer. Que fait-on dans un nouvel endroit? On écoute s'il y a des monstres. Et ensuite? Allez, tu le sais. Dans un nouvel endroit, on doit toujours vérifier les fenêtres. C'est ça. Des monstres. Ils sont attachés. Ils peuvent pas nous attraper. Non, impossible. Toutes les fenêtres sont barricadées. Elle est fermée. Vas-y, tu vas demain. Porte de sécurité. On peut pas la forcer. Je 18h30. Moi aussi. On va trouver quelque chose, je te le promets. Non. Ciao, beau gosse. Ciao. Je parie qu'elle ouvre la porte. Non, pas question. Du poison. Ils ont laissé tomber. Ils voulaient quitter ce monde ensemble. En se tenant la main chez eux. On aura notre maison. On verra. Laissez-nous tranquilles. C'est ce que nous voulions. Quoi?
Ah d'accord. Je vais relire quand même, non? En fait, ce couple... Ah d'accord, putain, mais c'est dégueulasse en vrai. Le couple, en fait, ils ont bu le poison et ils ont voulu quitter ce monde ensemble, putain. C'est beau et ça fait peur. Hein. Jetons un œil. Réfléchissons. C'est ça. Des haricots. Tu fais maison. Il y en a peut-être d'autres pas loin. Vas-y, Joe. Ils ont bien mangé pour leur dernier repas. À demain. C'est trop étroit pour passer. Enfin, pour moi. La clé ou la fenêtre. On n'a pas d'autre choix. Il fait noir là-dedans. On devrait tuer les monstres. C'est pas des gens. Ils étaient des gens avant. Et ils voulaient qu'on les laisse tranquilles. Quoi le mieux ? Non, AJ, je vais avoir besoin de ton aide. Là-dedans ? Il faut qu'on vérifie s'il y a de la nourriture à l'intérieur. Et il faut que tu sois courageux. D'accord, je peux être courageux. Ah, j'ai fait le choix de pas les tuer parce que voilà, franchement. Bah, en fait, voilà quoi. D'accord. Il y a écrit laissez-nous tranquilles, c'est juste des gens qui n'ont pas été. Enfin, qui ont été, oui. Qui ont bu en fait le poison, pour être tranquille en fait, pour ne plus vivre cette situation. AJ. Clem, faut que tu vois ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Ils ont bien fait de venir ici, hein? On peut rester ici? On verra. Il y a personne ici. Il y a jamais personne. Il y a toujours que des monstres. Je suis là, moi. Je sais. Et moi, alors? Je compte pas? C'est pas ce que je voulais dire. N'oublie pas ce qu'on a dit. Tu le sais. Ne jamais hésiter. C'est ça. Bon, continuons de chercher. Il doit bien y avoir un truc à bouffer. J'espère. Et les boîtes de conserve. Désolée, elles sont périmées depuis un bail. Merde. Hé, pas de gros mots. Je voulais dire zut. Regarde. Il y a un truc en dessous. Ah, il y a une trappe. Une trappe ? Ouais. On devait vouloir cacher quelque chose.
Oh, excellent, il y a des provisions. T'as vu tout ce qu'il y a? Oh oui, c'est fou. On aurait à manger pour des semaines avec tout ça. C'est piégé! Là, j'ai eu peur au bout d'un moment. C'est-à-dire, il y a quelqu'un en dessous. Des monstres. Bon, il faut regagner la voiture. Quoi faire, hein? Reste à l'écart, surveille les alentours pendant que je dégage le passage. What? Mais... Mais merde! Mais merde! La clé, elle est dehors. Mais c'est long. Ah ouais, chaud. Bon ben voilà, on a terminé cette petite démo. Une petite démo un petit peu tranquille, on va dire. Voilà, c'était juste pour un petit peu le kiff. Écoutez, merci quand même d'avoir regardé cette vidéo. Alors j'ai pas beaucoup parlé. Bon, quand je parlais, c'était pas trop intelligent de ma part. Mais bon, voilà, on a testé la petite démo. J'espère que vous avez bien kiffé quand même. C'est un très bon jeu.
Voilà, je vous le dis, c'est vrai que c'est. Les The Walking Dead, comme ça, c'est des très bons jeux. Et en tout cas, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, c'était Squad 42. Ciao, ciao, merci à vous. Allez, ciao, merci, mère.